C'est parti pour le prix de Vincennes. Inshore est en train de rater sa mise en jambe. Il a été remis mais a perdu quasiment toute chance. Il est en net retrait alors que les autres favoris sont bien partis. Ouais, ici c'est Paris est au galop. Il était bien parti en dehors. Le favori, si c'est Paris, a été remis par David Thomas, mais il a vraiment perdu beaucoup de terrain pendant ce temps Idéal Duchesne. Bien en tête. Inshore a fait encore une faute. Hein. C'est terminé pour Inshore qui perd toute chance. Et ici, c'est Paris. Donc après sa faute, se retrouve en dernière position. Il est encore dans la course, mais ça va être maintenant une tâche difficile de revenir, prendre la tête dans quelques instants. On va passer devant les tribunes avec l'avantage pour Idéal Duchesne. Alors ça, c'est une bonne nouvelle hein, pour évidemment Paul Ploquin qui est en tête et qui n'a plus ses deux adversaires principaux face à lui. Avec en deuxième position Inbred, suivi par Isidure Paulois, le numéro 8, qui est en bonne place également, qui est troisième à la corde, suivi à distance par Inouï Dadika. Ici, c'est Paris, le favori, en dernière position. Il est encore en course, mais il attend à l'arrière du peloton, derrière numéro 2. Idéal Passion, direction maintenant la descente. Avec en tête Idéal Duchesne qui mène, qui aborde la descente. En deuxième position, Inbred. Avec tout près, Isidure Paulois, Kazakh Jaune qui est troisième. Indigo Duporet est en quatrième position devant Inouï Dadika. Vient ensuite India Song, alors que le numéro 9, Fizzle Flower, disparaît sur faute. À l'arrière, il y a toujours India de Banville, avec également Inès Diriou. Et puis ici c'est Paris qui se décale pour peut-être revenir aux avant-postes. Isidure Paulois est en train d'accélérer, alors que ici c'est Paris revient à l'extérieur. Il se rapproche, ici c'est Paris et David Thomas qui a décidé de prendre l'option de venir maintenant à cet instant du parcours à l'extérieur pour revenir sur les premiers. Il va falloir qu'il soit très très grand aujourd'hui pour gagner, mais il est en train de faire un bel effort. Il vient tout près de Indigo Duporet alors que devant c'est toujours la pouliche de Julien Lemaire et de Claude Gelsch qui est en tête. Idéal Duchesne avec en deuxième position Isidure Paulois, la troisième place est pour Inbred, le cheval entraîné dans le centre-est de la France par Rémi Després avec un peu plus loin Inouï Dagnica, alors que le poulain de Philippe Allaire continue d'avancer. Ici c'est Paris qui passe devant Indigo Duporet direction la montée. Ouais, ici c'est Paris revenu en quatrième position, mais Idéal Duchesne mène toujours au début de la montée. En deuxième position, Isildur Paulois avec Inbred troisième. Ici, c'est Paris quatrième. Inès Diriou qui a quitté les derniers rangs est en train de progresser en dehors. Elle se rapproche très bien. Indigo Duporet vient ensuite avec India Song ou encore Inouï Dadika à la corde. Gros effort hein, du numéro 4, Inès Diriou qui est en train de venir très fort. La pouliche entraînée par Jean-François Sonnet qui vient maintenant en deuxième position. Mais pour le moment, Idéal Duchesne est en tête. Ici, c'est Paris a été un petit peu débordé. Tente de se relancer. Isildur Paulois est toujours calé à la corde troisième. Suivi un petit peu plus loin par Inbred. Ici, c'est Paris se relance. Indigo Duporet essaie de venir avec India Song à extérieur, mais devant, on s'explique avec deux pouliches à la corde. L'une des favorites, le numéro 11, Idéal Duchesne à son extérieur, l'étonnante Inès Diriou, numéro 4. Intersection des pistes, Idéal Duchesne qui contre assez facilement l'attaque d'Inès Diriou qui est à sa hauteur. C'est de là qui se sont détachés des Isildur Paulois qui ne peut pas réagir. Ici, c'est Paris, essaye de revenir, mais c'est un peu dur à cet instant. Indigo Duporet vient ensuite avec le numéro 3, Idéal d'avenir. Il reste moins de 500 mètres à parcourir. Idéal Duchesne a pris l'avantage maintenant sur Inès Diriou. Ouais, magnifique l'accélération d'Idéal Duchesne qui est en train de se détacher en deuxième position, seul pour le moment. Inès Diriou, la fille de Bert Parker, est partie peut-être pour s'imposer dans ce groupe 1, le prix de Vincennes, avec Paul Ploquin en très ligne droite, avec toujours l'avantage pour Idéal Duchesne en deuxième position. Inès Diriou, derrière, on va lutter pour la troisième place. À l'extérieur, on finit bien avec le numéro 3, Idéal d'avenir, à 200 mètres du poteau. La pouliche de Julien Lemaire et de Claude Gelsch qui va s'imposer. Idéal Duchesne dans ce groupe 1 dans le prix de Vincennes, avec Paul Ploquin qui n'a plus qu'à assurer sa victoire. La deuxième place est pour Inès Diriou, c'est fait pour Idéal Duchesne. Les pouliches à l'honneur dans ce prix de Vincennes. La deuxième place est pour le numéro 4, Inès Diriou, avec Florian Desvignes. La troisième pour Indigo Duporet, suivi par le numéro 3, Idéal d'avenir, alors que ici c'est Paris, terminant retrait à la cinquième place.